Bonsoir. Eh bien, ce soir, c'est tout nouveau. Un groupe que j'adore. Je les ai entendus répéter cette semaine et moi, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Ils s'appellent les Denises, mais c'est pas moi qui vais vous en parler. C'est la personne en face de moi qui va se présenter, nous expliquer un peu ce groupe fantastique. Et je peux vous dire qu'ils vont mettre le feu ce soir ici, à la maison de Marsanet. Je lui laisse la parole. Merci, bonjour, je m'appelle Bruno, je suis le président des Denises, donc on est un groupe de rock qui est là pour s'amuser, qui est là pour faire en sorte que les gens ils s'amusent, surtout pendant les soirées qu'on anime, que ce soit dans des fêtes de village, que ce soit dans des repas comme ce soir. Donc l'idée pour nous c'est de constituer quelque chose de convivial et qui fasse en sorte que tout le monde s'amuse, voilà. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup. On va passer aux autres. Ça marche. Alors, vous voyez, le président, il fait plein de choses, mais regardez. Allez, je vais zoomer. Regardez un petit peu ce qu'il fait pour les Denise. Une super batterie. Mais il va vous en parler de sa batterie. Donc je suis effectivement le batteur, donc ce soir c'est batterie électronique, des fois c'est batterie acoustique. Là on est en salle, donc c'est mieux quand c'est batterie acoustique pour régler le son et puis faire en sorte qu'on arrive à faire en sorte que les gens dans la salle, voilà, ils aient le bon niveau sonore plus facilement qu'avec une batterie acoustique. Donc c'est pour ça qu'on joue ce soir sur batterie acoustique. On s'adapte pour faire en sorte que les gens ils apprécient. Voilà, à bientôt. On continue toujours cette fois-ci. Ben, je vais vous parler d'un guitariste, ou plutôt il va se présenter puisque c'est le deuxième plus ancien du groupe Les Denises. Je vais lui passer la parole. Il va se présenter, il va nous dire un petit peu. Voilà, regardez un petit peu. Waouh, elle est superbe. Allez, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors moi je suis Élie, je suis un des deux guitaristes du groupe. Je suis là effectivement depuis assez longtemps, mais bon, ce qui m'empêche pas d'essayer de me renouveler un petit peu à chaque fois. Alors bon, voilà, moi je suis venu, j'étais sélectionné, on va dire, par Bruno qu'on a vu dans le reportage là, quand il a commencé le groupe. Puis, mais j'ai la petite particularité de ne pas avoir été retenu du premier coup, parce que Bruno et les autres musiciens qui étaient là à l'époque ont opté pour un autre guitariste qui était testé en même temps que moi, et il se trouve que ce guitariste-là, à la fin, n'est pas resté, et ils m'ont rappelé, donc je suis en quelque sorte un deuxième choix, mais un deuxième choix de longue durée, parce que maintenant ça fait 6 à 7 ans que je suis là, donc au final, c'est que ça a dû convenir, voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer avec tous les membres du groupe, et puis dans des belles scènes comme celle-là, là, c'est toujours très sympa, voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, puis on va continuer. À tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, c'est particulier. C'est le chanteur, mais il va se présenter, mais moi, je vais vous le présenter. Parce que si vous regardez bien dans les reportages, vous allez voir, il nous a mis le feu à la salsa un mercredi, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez voir aussi au Brighton, où c'est qu'il danse, il chante, il monte sur scène. Et je peux vous dire qu'il y a aussi du lourd. Et puis, je crois que finalement, la prochaine fois qu'il montera sur scène à la salsa, je ferai peut-être les chœurs avec lui. On verra bien. Allez, je vais lui passer le micro, il va se présenter, parce que je peux vous dire qu'il vous met le feu, rien que le temps d'en parler, et puis voilà. Chiche pour la salsa la semaine prochaine, on t'attend Sylvie. Donc je suis Sylvain, le chanteur des Denises. Je suis rentré dans les Denises il y a un an et demi environ, et je me suis tout de suite senti très bien. Il y avait un répertoire d'une quarantaine de titres qu'on a torché dès le premier soir. Il y en avait deux peut-être que je connaissais pas, alors je me suis senti comme un petit poisson dans l'eau. Et puis après, en travaillant un peu plus, les choses se sont corsées, mais c'était vraiment du plaisir et du bonheur. L'expérience de groupe, moi au départ j'étais quand même qu'un chanteur dans ma salle de bain. Après j'ai commencé à faire du karaoké au Sintra à Dijon, pour tous ceux qui connaissent. Et il y en a beaucoup qui connaissent, et on est beaucoup à sortir de là-bas. Par passion, je suis rentré à l'école de Thomas Jérôme, que beaucoup connaissent aussi, Musical Studio à Dijon. Et ça a permis un peu de peaufiner les techniques vocales, d'appréhender la scène et de se faire plaisir. Cependant, moi j'étais quand même plus rock, plus scène et plus alternatif que ce qui était proposé à l'époque, qui faisait un peu casting, nouvelle voice, etc. Donc le karaoké m'a permis de continuer, puis après l'expérience de groupe, et là je me sens super bien en groupe de rock, c'est un vrai bonheur. Et puis à côté de ça, il y a quelques projets de compo qui se feront, je pense et j'espère, au sein du groupe de rock et certains ailleurs en tant qu'interprète, avec des collaborations. Je suis ouvert d'ailleurs à plein de collaborations pour tous ceux qui souhaitent venir me parler.
Alors vous avez bien entendu hein, Sylvain, tous les mercredis à la salle Sapelpa pour le voir, pour l'entendre, et puis ben, pour parler collaboration, bien évidemment. Allez, on continue sur les autres, au revoir. On continue toujours dans le groupe des Denis, cette fois-ci c'est Antoine, le bassiste. Regardez, allez, on va montrer aussi, voilà. Allez Antoine, c'est à toi. Alors moi c'est Antoine, moi je suis avant-dernier arrivé dans le groupe, donc moi j'ai 23 ans et je fais de la basse depuis très longtemps, plus d'une dizaine d'années je crois, c'est un truc comme ça, j'ai arrêté de compter au bout de 10, c'est un peu inutile après, mais voilà, je suis dans le groupe des Denis depuis bientôt un an et on fait pas mal de dates et c'est tout cool, c'est très sympa et on s'amuse bien. Et on aime bien voir du public qui est motivé, tout ça. On aime bien capter l'énergie et on renvoie et on s'amuse bien. C'est l'éclate, c'est l'éclate. Donc ça va être l'éclate ce soir. Oui, oui. Oui, je pense bien. C'est bien parti. Ça marche, merci Antoine. Allez, on continue. Alors Stéphane, c'est particulier parce que regardez, lui, c'est la cornemuse. Et je peux vous dire que tout à l'heure, pendant la répète, il a enflammé la salle. Il y avait les gens qui étaient en train de mettre les couverts, qui étaient là en train de danser et tout ça. Mais je vais lui laisser la parole. Bien, bonjour, moi c'est Stéphane, donc moi je suis le petit trubillon de l'équipe, je suis le dernier arrivé et en fait moi je viens juste pour mettre un petit peu de folklore écossais dans le groupe de rock et jouer quelques morceaux. J'ai été recruté par Bruno, le batteur, autour d'un match de rugby et puis du coup depuis c'est une belle aventure que je découvre avec mes amis des Denis. Voilà. Eh bien, on en entendra un peu plus tout à l'heure, ça marche ? Ça va. À tout à l'heure, Stéphane, merci. Eh bien voilà, on va terminer les Denis. Alors là, c'est particulier, ce n'est pas un musicien, ce n'est pas un chanteur. C'est la personne grâce à qui ben, le chanteur et les musiciens, vous pouvez les entendre, ils s'occupent de tout ce qui est du son. Il va se présenter, je vais lui passer le micro. Merci, donc moi c'est Olivier, je suis ingénieur du son, ou pseudo-ingénieur du son. En fait, je fais en sorte que les Denis s'entendent sur scène avec les enceintes de retour et que le public ou les invités soient décoiffés. Donc on met le son au maximum et puis on y va. Et puis voilà, je branche les câbles en fait. Ça roule alors. Eh bien merci beaucoup Olivier, à tout à l'heure. Merci. Alors on a parlé du son, mais cette fois-ci on va reparler du son parce que ben c'est Matt. Matt tout à l'heure il nous a. J'ai regardé un petit peu là-bas sa console. Vous allez voir la photo dans les photos, c'est le cas de le dire. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd. Mais je vais lui passer la parole à Matt et puis ben, il va nous expliquer un peu ce qu'il fait là ce soir. Eh bien bonjour à tous, donc moi bah, technicien du son, on est là pour sonoriser les groupes de musique, les aider, mettre en place pour des belles salles, un beau son, et puis évidemment pour se faire plaisir, hein, puisque si les gens sont contents du son, ils s'amusent et tout le monde s'amuse. Donc voilà, moi c'est Matt, la société Sound Live sur Dijon, et ce sera avec grand plaisir de vous sonoriser. Voilà. Eh bien merci beaucoup Matt, au revoir. Thierry et Mario arrivent dans 10 minutes. Bonsoir. Allez Julien, on se dépêche un peu Julien là. Allez viens. Max, Romain, Jean-Marie, Joanne, Philippe. C'est la paix. Manu. Fred. Sophie, Yerma, Gilles, Julien, Marionine, Thierry, et Pipi, il est où? Pipi pourra. Il est là. Bon, il y a Bruno aussi. Il est où, Bobby? Il est pas là, Bobby. Bon, il est où, Pierre-Marc, là? Il est encore au PCO? Il est là.
Bon, bonsoir à toutes et à tous. Excusez ma voix, je n'ai toujours pas récupéré. Et putain, on l'a fait! Une énergie folle pour organiser cette sabbatique. Vous êtes tous là? Ouais. Vous avez tous répondu présent. C'était beaucoup de boulot en amont. Donc un grand merci pour la sécurité, Pierre-Marc, Fred, et pour ça pour... Une grosse pensée pour Bruno Vignal, qui malheureusement a eu des soucis de santé et qui n'a pas pu assister à cette belle fête, qui a bossé pendant des mois. Donc une grosse pensée pour lui. Également pour quelqu'un qui s'est investi dans la commission défilé, Fanny Droit qui nous a quittés malheureusement. Et je remercie l'équipe de Schnauve pour les défilés. Après la communication, Sophie, qui s'est tapé tous les mails, des questions à la con de tous les gens qu'on pouvait avoir. Les mails, hein, pas les mecs. Bon, oh, et c'est pas fini, les mails. Monsieur le maire, pour nous avoir donné ton accord, ton soutien. Et donc, voilà, tout le monde m'a appelé Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vraiment l'équipe qui est derrière. C'est... Mon gouvernement était au top. Et franchement, j'ai eu, tout le week-end, c'était que des félicitations. Merci de l'organisation. Les décors, on n'a pas Bobby, pareil, merci Bobby et Martine, ou les grosses décos et Nicole pour les décos, qui ont travaillé depuis 4 ans sur les décos. Tous les vignerons, on a eu des félicitations, on n'a jamais été reçus comme ça. Et l'organisation, la préfète a félicité Marc, plein de fois, il n'y avait rien à redire. Et il a géré les bénévoles, donc vous. Donc sans rien ne serait possible. Et on vous remercie encore, on ne pourra jamais vous remercier autant que vous nous avez donné, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et encore un énorme merci à vous.
j'ai reçu un texto tout à l'heure de Arnaud de la confrérie. Donc je vais vous le dire. Vas-y, je reprends. Tu veux des lunettes, Amy? Tu veux les miennes? Donc, il m'a mis quelle fête, félicitations, un week-end historique. Comme on est, parce que c'est peut-être pour pas affecter le plus haut que le plus. C'est pas un concours, là, ça a un sens. Mais on a vu que, voilà, ça s'est fait simplement, même si c'est les dégauches serrées, parce que franchement, un petit village avec une telle déco, je pense que les gens vont s'en rappeler pendant longtemps. Et Laurent Chambol ont peur pour l'an prochain. C'est vrai, c'est pas. On me l'a dit, il y a un peu d'entend. C'est Laurent Lémier qui m'a dit. Donc voilà, tout ça part. Merci, merci, merci. Et encore merci. Dans mon
Thank you.
Thank you.
Singing in this for us, in a little window now.
Red Hot Chili Peppers. Merci à vous. Eh ben on va vous en jouer des clashs maintenant, ici et maintenant. Thank you.
quand on a commencé à travailler avec Stéphane, qui fait partie de nos invités, avec les Denise, on est un noyau dur de 6 personnes. Et parfois, on choisit de travailler avec un guest, un invité. C'est quelqu'un qui vient répéter quelques morceaux avec nous, qui les prépare et qui vient les jouer sur scène. Au maximum 3-4 morceaux. Ça nous permet de nous diversifier, de rencontrer des gens. C'est ce qu'on cherche. On cherche l'échange culturel et l'épanouissement pour vous, mais aussi pour nous. Stéphane, c'est l'exemple criant de ce qu'on appelle chez nous un guest, un invité. On a dû adopter ce morceau parce que c'est pas tout à fait le même instrument, il y a 9 notes. Et c'est moi, le chanteur, en fait, qui ai dû m'adapter au niveau tonalité. C'est pas évident. On va essayer de vous interpréter Tribartolo, c'est la tribu de Dana. Souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim le fils de forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où nos ancêtres, des géants, des guerriers sept, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de prendre fin de notre terre contre une armée de sumériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous venir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana, Dana. Toute la tribu en queue bleue courait vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que les ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en sumant. Mes frères tombaient ses frères et sortaient sortes dans mon regard. Sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares, des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui s'écoulait du sang sous l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de paix où l'homme se traîne à la limite du mal, du règne et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana, Dana. D'une corne, la chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout autant lâchant mes armes, et l'un dont mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir que notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana, Dana.
entendez-nous? Ils tournaient tous au titre et tout était tout autour de nous. J'ai cru les voir embrasser, ils m'impressionnaient. J'ai cru les voir ce soir, j'ai vu qu'ils hurlaient. Ils sont là, tout autour de moi. Et nous, c'est vous, les bénévoles, c'est vous. Merci à vous. Thank you.
Yeah!
Thank you.
s'adapter un peu, parce qu'on est les deux, quand même. Voilà. On se ménage, on est des mêmes verres. Thank you.
Et j'ai rien dit, j'ai tout dit, j'ai rien dit. On va vous faire une déclaration d'amour.
Tu savais que c'est toi que je t'aime. Je t'en veux pas. Passe-moi beaucoup. Mais non, regarde.
nous, on s'appelle les Denises. Souvenez-vous de ça. Amenez-nous chez vous, dans vos villages, dans vos contrées. On veut jouer partout, on veut jouer en Bourgogne. On est Burgundy Rock Band, on le revendique. On revendique la Bourgogne, on est trop. Vous imaginez bien la Saint-Vincent tournante, la Bourgogne, nous, les Denises, madame. Merci, merci beaucoup. Vous voulez qu'on vous fasse la CDC pour qu'on finisse tout? Un petit smoke on the water, ça peut le faire pour vous? Allez, il sait faire ou pas? On s'en fout à cette heure-là, on fait de la merde, on s'en fout. Instagram, on s'appelle Les Denises 21. On est sur TikTok, on a plus de 5000 followers. C'est presque autant que le bien public. Alors, on est complètement top top avec ces conneries, mais ça nous amuse. Toute la vanité du truc, ça nous fait marrer. We'll be right back.
à tous pour tout ce que vous avez fait, pour Couchet, pour la Saint-Vincent, pour votre village. On a passé une super soirée en votre compagnie ce soir. On s'appelle Denise, venez nous voir, venez nous faire un coucou sur les réseaux sociaux. Appelez-moi, j'ai même laissé traîner mon numéro dessus. On est là pour vous. Et pour des années, parce qu'on n'est pas si vieux. Et vous non plus. C'est pas tout. On a pété une belle vie. Encore! 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 Pardonnez!